La saison 2 de Loki arrive à sa fin avec le tant attendu épisode 6, mais nous n'aurons pas toutes les réponses à nos questions. Une chose est sûre, le plan mis en place par celui qui demeure est en marche, et n'en doutons pas, il sera encore plus machiavélique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle du fameux plan de celui qui demeure et de son but ultime. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Celui qui demeure a mis énormément de temps à préparer son plan afin de réunir les conditions favorables à ce que son plan marche sans problème. Le seul paramètre qu'il n'avait pas pris en compte l'a surpris avant sa mort. L'arrivée de Loki au TVA n'était pas le fruit du hasard. Les Avengers voulant venger la Terre en retrouvant les pierres de l'infini et défaire ce que Thanos a fait, ils ont donné sans le savoir à Loki le moyen de s'échapper grâce au Tesseract. C'est sa fuite qui a créé le Nexus qui incite le TVA à envoyer le chasseur B-15 pour le faire prisonnier et être jugé par Ravonna Renslayer. Lors de sa rencontre avec Mobius, il se lie d'amitié, à croire qu'ils se connaissaient déjà, vu la complicité qui s'installe entre eux. Dès son arrivée au TVA, il tombe sur Kazé. C'est l'agent administratif qui enregistre le Tesseract. Cette partie du plan était orchestrée afin que Loki rencontre les quelques membres qui allaient composer son équipe des Sauveurs du Temps. La rencontre avec Sylvie se fait lorsque Loki intègre le TVA grâce à Mobius, afin d'enquêter sur les agissements de Sylvie et de la capturer. Ce variant de Loki, violent et extrémiste, sait comment fonctionne le TVA et comment les variants sont traités. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle rencontre un Loki pour lequel elle aurait des sentiments. En réalité, Loki et Sylvie n'étaient pas tombés amoureux et n'étaient pas censés l'être lorsque celui qui demeure avait exploré les autres branches temporelles. C'est ce petit détail qu'avait omis celui qui demeure dans son plan. Cela a tout changé, car Loki fait confiance à Sylvie dès sa première rencontre. Face à Aliot, Loki arrive à libérer ses pouvoirs, tout ça grâce à Sylvie. Jusque-là, le plan modifié de celui qui demeure fonctionne et commence à se mettre en place. Et tous les protagonistes sont connus, enfin presque, puisque Ouroboros n'arrivera que dans la saison 2. L'arrivée de Loki et de Sylvie dans la citadelle du temps fut une grande surprise pour celui qui demeure, car il s'attendait à voir Loki seul. Cette rencontre, il avait vécu à de nombreuses reprises, et toujours sans Sylvie. Mais là, la situation était différente. Avec ce duo improbable, celui qui demeure savait que son plan était presque parfait, car la seule variable qu'il ne maîtrisait pas, c'était s'il devait vivre ou mourir. La réinitialisation de Ravonna Renslayer faisait aussi partie de son plan. Il fallait que Ravonna pense que celui qui demeure l'avait manipulé, afin qu'elle joue sans le savoir le rôle qu'il avait prévu pour elle. N'oublions pas que Ravonna a participé à la guerre multiverselle et qu'elle a contribué à la création du TVA tel que nous le connaissons. L'aide de Ravonna est bien plus importante. Comme je le disais dans une autre vidéo, Ravonna est un variant de celui qui demeure. Elle arrive sans grande difficulté à maîtriser Aliot, comme l'a fait celui qui demeure au 31e siècle. La maîtrise de Aliot par Ravonna doit servir à Victor Timely de 1893, afin qu'il répète les mêmes actions que celui qui demeure dans un but bien précis. Concernant Victor Timely, il devait être les yeux et les oreilles de celui qui demeure. Le scanner d'aura temporel, à mon sens, est une machine bien plus complexe et avancée que ce que l'on croit. Lors de la saison 1, Loki se fait scanner son aura temporelle en passant par un simple portique, comme dans un aéroport. Le scanner qui se trouve dans la zone de temporisation sert à transférer l'aura ou la conscience de celui qui demeure dans l'un de ses variants, à l'image d'un rêve passerelle. C'est comme ça qu'il a pu voir au-delà de sa mort. Il sait maintenant prévoir ce qui se passera si Sylvie le tue. La mort de celui qui demeure est une des options possibles qu'il envisageait. Il avait tout mis en place depuis la capture de Loki par B-15 et son arrivée à la citadelle du temps. Mais jusqu'à présent, toutes les simulations se terminaient par un échec, un reboot de la boucle temporelle. Dans cette branche temporelle, tout était réuni pour que son plan fonctionne à la perfection. Cette boucle temporelle était l'une parmi tant d'autres qui pouvait révéler à Loki son errance temporelle afin qu'il puisse y mettre fin. Celui qui demeure n'avait pas échoué auparavant, mais il devait trouver la seule et unique solution pour que toutes les conditions soient réunis, afin que Loki soit là au bon moment et au bon endroit, afin qu'il comprenne et réussisse à changer le cours des choses. Ce nouveau pouvoir fait que Loki passe à un niveau supérieur, pouvant changer le cours du temps grâce à l'errance temporelle. Ce pouvoir, il avait au fond de lui, mais ne savait pas qu'il existait et comment le contrôler. Celui qui demeure possède aussi ce pouvoir, mais avec un niveau et une maîtrise bien plus conséquente que Loki. Le but ultime de celui qui demeure est de pouvoir tout contrôler jusqu'à la fin des temps, mais cela passe par bien des sacrifices. Perdre l'amour de sa vie, Ravonna, se laisser faire tuer par Sylvie et laisser sa place temporairement à Loki. Ce plan lui permettra de redevenir un tyran et un conquérant craint de tous les univers. Dans Ant-Man Quantumania, Ant-Man arrive à battre Kang le conquérant avec dérision, et ça, aucun variant de Kang ne peut le tolérer. D'où ce plan afin de briser la boucle temporelle qui permettra à celui qui demeure de ramener un Kang bien plus fort et plus avisé par le biais de Loki en la personne de Victor Timely. Mais avec tous ces éléments, on pourrait croire que Loki pourrait bien être un variant de celui qui demeure. Mais tout ça n'est qu'une pure théorie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ce contenu pour soutenir la chaîne.